Alors, tandis que le concert de musique irlandaise se prépare pour la clôture de cette réunion du prix des ministères, on va féliciter Fabien Lagarde. Fabien Lagarde qui s'est imposé. Il s'est imposé dans le prix Caroline de Fraissinet avec un cheval très particulier, Tidjali d'Or, une rareté puisque c'est un cheval pur anglo-arabe à 50 avec un père arabe et une mère pur sang qui s'impose donc très facilement. Fabien, alors parle-nous un petit peu de ce cheval. Oui, mais c'est un bon cheval, quoi. Là, cette année, il surclasse un peu sa catégorie. C'est extra, quoi. Clément le monte à merveille. Le cheval est toujours froid dans le parcours. Il faut vraiment y croire en partant. Et comme ça, il vient dans les autres. Et puis, quand il voit qu'il a la pointure, il s'en va. C'est super, quoi. Alors, raconte-nous un petit peu son histoire. Monsieur Arrivel n'est pas là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Non, mais c'est un cheval bizarrement qui est arrivé chez moi. Hein. Il était chez Monsieur Seguin dans son année de 3 ans, qui n'avait pas fait grand-chose. Moi, quand je l'ai reçu, j'ai commencé par courir par les petites courses intermédiaires. Et puis le cheval, par la force des choses, je suis arrivé sur un hippodrome comme Dax, où là, le cheval s'est vraiment exprimé. Et puis après, maintenant, ça s'enchaîne, quoi. C'est bien. Ce cheval, normalement, a un profil pour devenir étalon. Tu peux en parler un peu de son tempérament pour les futurs éleveurs? Il a tout d'un bon cheval. Il est gentil, il est très facile à entraîner, il n'a aucun problème de santé. Enfin, c'est le rêve, quoi. On en voudrait plus, quoi. Il est comme son entraîneur, Fabien Lagarde, qui va venir rejoindre son champion, le 4.